Le programme de gestionnaire de paye est un programme complet axé sur deux blocs. Le premier bloc va être la gestion administrative du personnel, avec notamment la rédaction des contrats, le calcul de période d'essai, l'application d'un CDD avec un délai de carence, les sanctions disciplinaires et les modes de rupture du contrat, mais aussi les suspensions, arrêt maladie, congé payé, accident de travail, maternité, etc. Le deuxième bloc est un petit peu plus complet. La paye, c'est forcément ce qui t'intéresse le plus et tu le verras, ce programme est très complet parce que tu vas apprendre à réaliser des fiches de paye pour des salariés classiques, pour des cadres, pour des apprentis, pour des VRP. Nous avons vraiment pensé toute cette formation de sorte à ce qu'elle soit pratico-pratique. Non seulement elle te prépare pour l'examen, mais aussi pour la vie pratique. Que ce soit comment appliquer les suspensions de congés payés, la maladie, le traitement des heures supplémentaires, la fiscalité avec l'impôt et le prélèvement à la source, les notes de frais, l'avantage en nature, les éléments du haut de bulletin et les éléments du bas de bulletin. Tu vas découvrir dans cette formation tous les éléments relatifs à la fiche de paye. Nos cours sont constamment mis à jour et bénéficie des dernières actualités en matière de droit social. Cette formation est pensée en autonomie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des cours asynchrones, des contenus exclusivement rédigés par Aura20, des vidéos, des exercices, des textes et des quiz, bien sûr, pour ancrer tes connaissances, mais que tu peux réaliser à tout moment de la journée, à toute heure. Nous ne t'imposons pas de visioconférence à laquelle tu devrais te connecter pour pouvoir s'adapter aux contraintes familiales et professionnelles de chacun. Tu peux donc te connecter à tout moment depuis ton téléphone ou ton ordinateur, à tout endroit, et suivre ta formation professionnelle. Pendant ta formation, tu auras au moins deux évaluations à réaliser. Tu pourras les réaliser à tout moment, quand tu auras suivi les blocs qui correspondent à ces évaluations, tu pourras les débloquer depuis ton espace. Tu as 72 heures pour les réaliser et bien sûr, nous les corrigeons individuellement et te faisons un retour d'acquisition des compétences. Nous te confirmons si oui ou non les compétences nécessaires à ces évaluations ont été validées. Si tu souhaites t'inscrire à une de nos formations, tu peux tout à fait nous appeler pour que l'on puisse répondre à tes questions. Les formations en e-learning sont effectivement en autonomie, ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas là pour t'accompagner. Avant de t'inscrire, nous allons répondre à toutes tes questions, te présenter le programme et les modalités pour vérifier qu'il correspond bien à ton projet professionnel. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir un taux de réussite de plus de 97% aux différents titres professionnels que nous proposons. Ce taux de réussite, nous le devons bien sûr à l'investissement de nos apprenants, mais aussi à la qualité de nos contenus et à la préparation à l'examen de nos formations. Parce que bien sûr, toutes nos formations sont pensées pour la vie active, mais nous préparons aussi à l'examen avec bien sûr, et nous sommes un des seuls centres de formation à le proposer, des titres professionnels blancs pour préparer les apprenants à cette mise en situation pratique qui est parfois et souvent source de stress. Pour passer ton titre professionnel, à la fin de ta formation, une fois que tu auras réalisé les évaluations, tu vas devoir choisir entre deux options. Tu peux venir dans notre centre de formation Aura20 à Ivry-sur-Seine sur la ligne 7 du métro parisien et passer ton examen dans les conditions prévues par le référentiel du diplôme, à savoir dans nos locaux avec la mise en situation pratique et l'oral nécessaire devant les jurés. Ce passage d'examen est prévu dans le tarif de ta formation qui est affiché juste ici. Si tu ne souhaites pas venir en Ile-de-France, mais que tu souhaites quand même faire ta formation chez Aura20 parce que tu as entendu qu'on avait des bons contenus de cours, tu peux suivre ta formation en ligne et demander un passage auprès d'un centre AFPA. Tu dois dans ce cas-là t'assurer que le centre AFPA de ta région accepte ces modalités des candidats et nous leur transmettrons bien sûr tous les éléments nécessaires, le suivi de formation, le suivi des évaluations, au passage de ta certification. Dans ce cas-là, tu dois prendre un test toi-même avec un centre AFPA le plus proche de chez toi et te renseigner auprès de leur modalité.